Bonjour et bienvenue sur cette maison de Châteauneuf-le-Rouge. La maison fait 147 mètres carrés, 127 mètres carrés plus 2 mètres carrés de véranda, sur 1430 mètres carrés de terrain qui sont arborés et fleuris. Hop, on a un garage de ce côté-là, une partie espace vert ici, le portail. Et de quoi garer plusieurs voitures facilement à l'intérieur. Ici, nous avons l'entrée de la maison. Je vais continuer d'abord par vous présenter l'extérieur. Ici, nous avons la cabane pour le fuel, pour la cuve à fuel. De ce côté-là, nous avons une terrasse que l'on verra tout à l'heure. Qui donne sur la suite parentale, qui malgré son exposition plein sud est bien ombragée grâce aux arbres. Hop. La piscine qui fait 10 sur 5, enfin pour être exact 4,70 sur 9,70. Le liner a été refait il y a 3 ans. Ce qui est très appréciable sur cette maison, c'est que malgré le fait que ce soit grand, 1430 mètres carrés, au niveau entretien, en fait, vous avez donc sur la partie gazon juste l'arrosage automatique et juste à tondre du coup. Autre point fort de cette maison. Ici à l'extérieur, vous avez une zone verte non constructible. Donc pas de voisins de ce côté-là. Et donc pas de possibilité de construire. Vous avez également, donc vous le voyez, les arbres qui vous isolent très bien des voisins, des deux côtés. La base que vous voyez ici, hop, c'est le local piscine, le local technique. On voit bien la véranda, la maison, les chambres à l'étage. Et également la chambre parentale qui est par contre en rez-de-chaussée. La terrasse ombragée. Les volets qui sont neufs. Et l'autre partie de terrain, plus sauvage. Et la vue sur la Sainte-Victoire, côté nord, et du coup la piscine se situe donc côté sud. Tour de magie, nous revoilà à l'entrée. Hop. Ici nous avons un petit placard à l'entrée qui est très pratique pour déposer les vestes et les chaussures. Et en quelques marches, nous accédons à la pièce à vivre, la grande pièce à vivre, qui fait 38 mètres carrés. Avec sa belle cheminée. Et c'est au plafond. Ici, nous avons un cellier. Au même niveau, nous avons la véranda qui est vraiment une pièce à vivre de plus. Elle fait à peu près 20 mètres carrés, un petit peu moins. Et en fait, comme vous le voyez là-bas au fond, elle est chauffée et isolée. Donc on considère vraiment que c'est une pièce à vivre. On peut y rester même l'hiver.
Et elle offre une vue plutôt sympathique sur et la piscine et la zone verte. Là, on rejoint l'espace terrasse ombragée qu'on a vu tout à l'heure. Hop. Ensuite, nous accédons à la chambre parentale qui fait 26 mètres carrés. Voilà, qui est faite en parquet, qui a un joli petit hublot là-haut. Et qui a donc une grande porte vitrée qui donne sur sa petite terrasse privative. Et ombragée. Donc même si on est exposé plein sud de ce côté, grâce aux arbres, la chambre reste fraîche. On a également, je ne sais pas si je vous l'avais dit, la moustiquaire au niveau des chambres. Hop, des placards qui sont également au mur. Et donc, la salle d'eau avec une très grande douche, comme vous pouvez voir. Hop. Une fenêtre idéale dans les pièces d'eau. Un placard sur la droite, le lavabo et du rangement. Hop. On retourne sur le salon. Ici, vous avez la cuisine. Avec son îlot. Une petite particularité de cette maison, la cheminée qu'on a vue de l'autre côté donne sur un insert de ce côté-là. Du coup, on est chauffé en hiver, même dans la cuisine. Hop. Donc le hall d'entrée est toujours pratique, poser les clés, le téléphone, les lunettes de soleil. Ici, vous avez une toilette en bas, nécessaire donc, avec un lave-main et une fenêtre. Et ici, nous avons l'accès au garage. Vous avez dû voir la petite porte tout à l'heure dehors. Ensuite, on va aller voir le coin nuit. Donc on a une première chambre qui fait une dizaine de mètres carrés avec du vrai parquet. Point positif, on a le ventilateur dans chacune des chambres. On est sur du double vitrage PVC comme partout. Les volets sont neufs et il y a les moustiquaires également. Dans le coin nuit, il y a une autre salle de bain. Alors tout à l'heure, on avait une salle d'eau avec la douche. Maintenant, on a la baignoire à l'étage. Et le point très sympathique, c'est que quand on se douche, on a une très jolie vue Sainte-Victoire. Le sèche-serviette. Une toilette séparée également à l'étage. Avec sa fenêtre. Point fort de l'architecte, en fait, il a rajouté ces quelques marches de façon à ne pas avoir d'espace perdu et d'avoir de trop longs couloirs. Je trouve ça assez ingénieux, en fait. Hop. Donc pareil, on est sur du parquet. La chambre fait
toutes les chambres font entre 10 et 11 mètres carrés de toute façon. Pareil, ventilateur, double vitrage PVC et on a la moustiquaire. Et là, on a la vue sur la piscine et le jardin et la zone verte. Tac. On a également un beau placard de ce côté-là. Hop. Qui permet de pouvoir ranger ses affaires sans avoir à rajouter encore de meubles. Hop. Et la quatrième chambre, qui est un peu plus grande. Donc là, du coup, j'ai fait exprès de vous laisser les volets entrecroisés pour que vous puissiez voir du coup que les volets sont tout neufs et tout récents de partout. Hop. Donc là encore, on a beaucoup de placards à disposition. Et le fameux ventilateur. Merci pour cette visite et à bientôt.